Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est samedi 2 octobre. J'avais commencé à vlogger hier mais je pense que finalement il va pas être mis ou quoi parce que finalement j'ai couru absolument toute la journée et j'ai pas pensé à dégainer la caméra, hein, voilà. Donc aujourd'hui, je vous le disais, c'est samedi, les enfants... Théa m'a réveillée à 8h20. Non, j'étais réveillée toute seule mais j'ai entendu ronfler dans mon lit. Je l'ai pas entendu me rejoindre dans la nuit. Donc voilà, sachant que je m'étais couchée à 1h30, 2h. Mais ça va parce que c'est l'heure où je me couche en temps normal et d'habitude je me lève à 7h, donc j'ai quand même dormi un petit peu plus, j'ai bossé, hein, jusqu'à ce temps-là. Donc ce matin je me suis réveillée, dès le réveil j'ai bossé, pareil j'ai déjà reçu deux commandes Shogun que j'ai traitées dès 8h30. Donc je suis contente ce mois-ci parce qu'on est le 2 octobre, j'ai déjà eu trois commandes, donc merci à vous, hein, pour votre confiance, parce que là c'est que des commandes Instagram pour l'instant. Mois dernier c'était plus des commandes de mon cercle proche, amis, famille. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc je vous emmène aujourd'hui, journée de fou, je change mon canapé. Tu veux les super-héros? Alors attends, je veux un DVD dès le matin. Voilà, je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc j'ai commandé mon nouveau canapé. Pff, une histoire de dingue, celles qui me suivent sur Instagram ont suivi l'embrouille. Mais voilà, ça fait là depuis le début de la semaine que je cherche à changer mon canapé. Et bah, c'est le parcours du combattant d'acheter un canapé, un bon canapé. C'est un truc de dingue, je pensais pas. Et j'avais repéré un canapé. Je peux pas vous le mettre en photo parce que je n'arrive plus. Mon logiciel ne marche plus. Pour mettre les images ici. Et t'as dit, va te le mettre, mon chou, mais c'est les pubs. J'avais trouvé un canapé chez Cocktail Scandinave. Les canapés sont vraiment canons. J'ai eu des bons retours dans l'ensemble, surtout sur le modèle Randy. Un immense canapé d'angle, à la base, c'est celui que je voulais. Deux petits points qui me... Voilà, c'est qu'il était beaucoup trop grand. Il fallait que j'enlève mes... Attendez. Elle chouinait parce que c'était les pubs de son DVD. Bref. Est-ce qu'il y a encore des gens, d'ailleurs, qui ont des DVD chez eux? Je crois que je suis la seule qui vit encore à l'ancien temps. Donc, je disais, oui, le canapé Randy chez Cocktail Scandinave canon, mais trop grand. Donc, j'aurais dû enlever mes petits meubles et ma plante au bout de canapé pour gagner les 20 cm manquants. Déjà, et la couleur, c'était soit kaki, donc très foncé quand même, soit gris. Moi, je voulais un canapé beige. Finalement, j'ai quand même pas pris un canapé beige. Bref, j'y allais hier et en fait, il y a un mois de délai pour commander des canapés chez Cocktail Scandinave. Donc, sachez-le, ils ont de très beaux, très bons... Donc, sachez-le, hein, ils ont de superbes canapés. Qualité-prix, rapport qualité-prix, incroyable et tout, mais un mois d'attente. Bref, et puis j'ai une abonnée complètement ma boule qui voulait... Je n'ai jamais dit que je vendais mon canapé actuel ni quoi que ce soit, j'ai juste dit que je cherchais activement un nouveau canapé. La meuf me dit, je te prends ton ancien canapé, tu vas le vendre combien? Donc je dis, bah, je vais essayer de le vendre 100 €, mais quand il sera à vendre quoi. La meuf avait décrété de venir aujourd'hui chercher mon canapé, elle habite à plus de 4 heures de route de chez moi. Elle avait loué un camion et tout, alors que je lui ai dit non, moi ça m'embête parce que c'est loin, parce que mon canapé il est pas en bon état. Mais il est pas confortable, il y a un trou là où je mets mon cul. Enfin voilà, il est encore comme neuf, mais c'est un canapé de merde. Ah non, mais ça la gênait pas, elle faisait 4 heures de route, elle a insisté lourdement pour avoir mon numéro de téléphone, mon adresse. J'ai plus de batterie, on passe de 50% à 0, mais ça me saoule, comment tu veux travailler dans ces conditions? Bref, je ne vais pas râler, je suis de bonne humeur. Donc bah écoutez, je vous mets à charger pour vous avoir quand je vais récupérer le nouveau canapé. En attendant, moi je vais faire les lits, voir si les enfants se sont bien habillés comme convenu. Enfin, Ethan, puisque Théa, c'est moi qui l'habille. Hein. Bref, voilà, je vous retrouve tout à l'heure, du coup. On a enlevé les petites tresses. Maman refait la prochaine fois les tresses. Les tresses, maman les fait le soir. Comme je maîtrise pas trop les tresses collées, je les fais le soir pour la boucler. Attends. Là, tu es belle. Hein. Et fait bijou. Et on fait toujours plus ou moins la même coiffure. En plus, comme je veux laisser pousser la frange, on fait une coiffure qui libère le visage pour pas avoir les cheveux dans les yeux toute la journée, n'est-ce pas, mademoiselle? Non. On fait des couettes? Oui. Pour pas avoir quoi dans les yeux? Des cheveux? Des cheveux dans les yeux? Bah oui, à l'école, c'est quand même pas cool d'avoir les cheveux dans les yeux. Mais non. Là, du coup, il est déjà 14h30, hein. Bah oui. On est parti depuis midi pour récupérer mon canapé. Le canapé est vendu. Une tempête de vent, ce qui explique les cheveux. Et on se fait un petit McDo. Et après, on installe le nouveau. Et ensuite, je vais aller avec papy. Je fais la fille épuisée, mais c'est toi qui fais tout, hein. Et ensuite, je vais aller avec papy.
Si vous mangez. Yes. Bon, je vais laisser faire. Hein. Tiens-le. Hein. Attends, achète pas. Ah oui, le carton, j'ai peur. C'est bien, Doud. Tiens, mais non. Ah, il est beau, hein. La couleur, elle est bien. Hein. J'avais un peu. Bébé, c'est toi. Oui, j'ai pas de... Non, mais ça. Je coupe, vas-y. Fume les enfants. La couleur, c'est bien, j'avais trop peur que ça aille pas. Ouais, bravo, Ethan. C'est costaud, mon cœur. Bon, il est un petit peu plus tard, j'ai un petit peu rangé, nettoyé, surtout le, genre le couloir où on est passé, il y a eu de la circulation et tout, avec les chaussures, puisque du coup, on n'avait pas à faire les chaussées. Tout le monde, et vu le temps qu'on a dehors. Donc là, j'ai tout nettoyé, j'ai fait un peu de changement, on a essayé d'aménager, j'ai remis la table et tout, je vais vous montrer vite fait, bon, c'est le bordel, il y en a de partout, et du coup, ce que je faisais avant, c'est que mes bannettes de linge, je les mettais là, collées ici, et elles étaient cachées derrière le dossier du canapé. Et là, ça ne les cache plus. La merde. Ça me dit un peu la merdouille. Parce que du coup, non, mais il faut dire aussi que là, je suis un petit peu en retard sur mon repassage. Je devais le faire jeudi soir et je ne l'ai pas fait. Donc je vais. De toute façon, le but après, c'est de stocker ça dans ma chambre. C'est pour ça que j'avais pris la grande chambre pour y stocker tout ce qui est le linge et tout qui prend une place pas possible. Bref. J'ai explosé. Je me suis posée un peu dans le canapé. Il est quand même vachement bien confortable, hein, surtout par rapport à ce qu'on avait. Donc je vous montre. Du couloir, il y avait le tapis gris. Ici, je l'ai retiré pour l'instant. En fait, le sol, il est vraiment pas beau. Je pense que si je reste ici encore quelques années, je vais changer le sol. Enfin, je vais mettre un lino, un truc comme ça, quoi, où il fait parquet. Mais là, vous le voyez sans doute pas, mais il y a des taches de partout. Il est rayé de partout. Il est écœurant, le sol. Donc, j'ai retiré le tapis. Ça fait plus grand, plus aéré. J'aime bien. Et bon, pour l'instant, ça, c'est le pouf. Parce qu'en fait, avec le canapé, vous avez un pouf qui est censé être logé ici, sous la coudoir. Mais moi, il peut pas passer. Faites pas gaffe, il y a vraiment du bordel de partout. Donc pour l'instant, je l'ai mis là. Je pense que ce truc-là va aller dans ma chambre ou je sais pas. Je vais voir si je le laisse par là, mais il faut que je lui cale une petite place parce que là, c'est pas possible. J'ai remis le tapis. Pour l'instant, j'ai remis la table basse. J'ai mis ici, mais ça coinçote. Il va falloir que je trouve un petit bout de canapé plus petit. Le truc des plaids, j'aimerais mieux qu'il soit là en fait et que la table elle soit... Voilà, ce petit coin-là à réorganiser. Donc voilà, niveau de canapé, il est assez imposant, énorme. Et le fait qu'il soit jusqu'au sol, qu'il n'y ait pas des pieds en fait pour l'aérer, c'est encore plus lourd, je trouve, encore plus imposant. Bon, les cadres, vous faites pas gaffe, j'ai accroché où je pouvais, mais il faut que je revoie. Je vais tout refaire de toute façon. Ce qui est prévu ici, oui Loulou, c'est de refaire ça... Et ça, c'est ma prochaine occupation. Et bah, ici, il y a tout le bazar qui a été poussé. Il faut que je réorganise. Enfin, voilà quoi. Au niveau d'ici, là, waouh, je n'avais pas vu ça comme ça. Voilà, voilà. T'aimes bien le canapé? Oui. Il est chouette. On a hein. Même rangé le sapin en dessous. Ah oui, mais je ne veux pas que tu le lèves tout seul. C'est dangereux. C'est vrai qu'en dessous, il y a un coffre de rangement. Et pour l'instant, j'ai mis le sapin de Noël. Théa, elle chouinote. Elle fait que ça. Elle est fatiguée, donc elle est fatigante. Mais là, c'est plus du tout l'heure de faire une petite sieste, hein. Non, je n'aime pas quand tu fais le bébé. Tu sais très bien que ça énerve beaucoup, maman. Il y a une tempête de vent, qu'il y a un arbre, que toutes les feuilles s'en vont. De quoi? Mais pas ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? Arrête un peu. Tiens, Ethan va ranger ça, t'es plus mobile. Il y a un panneau qui s'est arraché tellement il y a une tempête dehors. Ouais, c'est tellement la tempête dehors. Avec ma mère, avant qu'elle parte, j'ai dit, oh, ma plante au balcon, faut que je la rende parce que c'est pas une plante d'extérieur. Et donc je l'avais mis dehors cet été parce qu'elle était pas belle, elle faisait la tronche, donc je l'avais mis dehors. Ma mère me dit, rentre là avec la tempête. À peine elle est partie, ma mère, que la plante, elle... la terre partout sur le balcon. Enfin, je l'ai remonté. Ouais, attends, je parle. Je l'ai remise droite, je l'ai calée contre un mur et je verrai lundi. Là, franchement, clairement, flemme. Le tapis, il gode un peu là. Alors, je vous reprends encore plus tard. Il est 19h30. Le repas est en train de chauffer.
Et je vais vous montrer son déchaînement. Donc, sous le canapé, il y a un coffre de rangement pour enfermer les enfants passage. Non. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour... tu ne le fermes pas, Théa, sinon ça va me faire très mal. J'ai mis mon sapin de Noël. Je vais, je pense, y ramener mes décos de Noël, mais pas tout de suite, genre après Noël. Pour l'instant, j'ai mis les coussins parce que... Non, parce que là, ça me fait trop de coussins, vu qu'il est déjà confortable et tout. Je vais me séparer de coussins, je pense. Les plus pourris, je vais juste les recouvrir. Genre ceux-là, ils sont plus blancs. Et j'ai beau les laver, ça reste pas blanc. Ça, c'était dans un porte-document, là. Vous savez, un truc tout cassé. Je suis en train d'hésiter à faire un truc. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est que j'ai mes bannettes de linge, comme je vous disais. Et je pensais, si je mettais... Alors, la bannette rentrera sans doute pas, mais si je mettais mon repassage là-dedans. Non, parce que... Non, c'est un mauvais plan, ça. Parce qu'en vrai... Je vais pas le voir, je vais croire que j'ai pas de repassage. Mais à la limite, quand j'ai du monde, la bannette elle peut rester là et encore ça me saoule. Et quand j'ai du monde, tac, je cache mon linge là-dedans. Je sais pas. J'ai envie d'exploiter cette cachette. C'est vraiment un truc de fou parce que on y voit que du feu, genre. Hop. Tadam. C'est vraiment cool. C'est prêt. Petit chat va aller au lit. Non, attends, je te pose sur le gros canapé. Bon, j'ai un peu tout terre. Et Ethan, baisse, c'est fort. Ce que tu m'as mis là. C'est bon, c'est bien. Du coup, j'ai partagé le canapé sur Instagram. Donc, à l'unanimité, vous aimez toutes. Je disais, les cadres, et puis ça, faut pas s'en soucier. Ça va être mon projet là de fin d'année. J'ai mis à zéro. De tout rechanger. À zéro. J'ai coupé ça. Je n'ai pas demandé que je mette à zéro. Là, du coup, j'ai installé mon riband pour l'instant. Il faut que je trouve une autre solution pour cacher ça. C'est pas oufissime. Je vais essayer de trouver un petit pot avec une petite fleur plutôt. Celui-ci, elle n'est pas ouf non plus. À la base, c'est pour aller dehors. Mais là, en attendant, je l'ai mis là. Je trouve un petit pot avec une petite fleur au sol pour cacher ce truc. Ce serait pas mal. J'ai mis mon riband ici. Parce qu'à la base, je l'ai mis à vendre, mais j'ai pas trop envie de le vendre. J'aimerais bien me le garder pour l'instant. Et là, il y a le prochain qui va arriver. Les gens qui sont venus chercher le canapé, il y avait ça ici. Ça va, ils ont pas prêté attention parce que c'est un peu... Enfin, je vous montrais ça que j'ai acheté ou pas. Est-ce que je vous l'ai montré? Ça fait longtemps que je le ziote sur Maison du Monde. Et là, je me suis fait un petit cadeau. Voilà, un petit cadeau. Ici, du coup, j'ai juste mis ma plante pour l'instant. J'ai caché du bazar ici. Peut-être mettre mes bananes de repassage, je sais pas. J'ai mis Meiko ici parce que clairement, devant le radiateur... Sachant qu'on a, j'ai rallumé le radiateur, donc je l'ai mis là pour l'instant. Voilà, et là c'est totalement le bordel, il y en a de partout. Doucement, Théa, les coups de pied, les coups de pied. Du coup, j'avais acheté ce livre pour ma nièce et en fait ma soeur l'avait déjà. Du coup, on va le lire. Juliette, petite princesse. Ouais, il est 21h dans 2 minutes. Théa est couchée. Ma cuisine est rangée. Clovis est au boulot. Donc ça c'est bon, en fait j'aime beaucoup que je vous ferai une vidéo organisation maman sous l'extérieur. C'est prévu, je vous promets. Mais les enfants, je fais un peu la gueule. J'ai évacué de la cuisine parce que l'aspirobo il se prend les pieds dans... Bah, dans le pied. Les tantalages, bref. Je vous ferai une organisation. Il est où mon boudin de porte? Ah. Donc je disais, il fallait que je remette mon boudin de porte. Je sentais l'air. Je vous ferai une vidéo organisation, mais j'aime beaucoup que mon... Que en fait, tout soit terminé. Ménage, de la cuisine, etc. Machin, tout rangé, tout prêt. Et juste comme ça, quand je couche les enfants, je peux me poser dans le canapé. Je sais que... Voilà, j'ai pas à me relever pour faire la vaisselle ou quoi. Bon là, ce soir, je tire passage, mais voilà. Je sais que ma cuisine, j'y retourne pas. Clovis y tourne. Je couche les enfants. Et c'est bon. Oui, et du coup, le pouf du canapé, je l'ai mis là. Je suis pas convaincue. Normalement, j'ai mon pouf, celui-ci. Mais il y a toujours du bordel dessus. Donc là, je pense que ça va pas être mieux. Faut que j'arrive à enlever le truc du dessous. Il faudra que je fasse ça. Maman. Oui. Qu'est-ce qui se passe? T'as juste à choisir un livre. J'ai sorti tous les livres de Strauss. Mon Dieu. T'as juste à en choisir un. Ok, tu vas me retirer des chaussettes et les mettre au sale, Doudou. Ouais, voilà. Donc je l'ai mis là. On verra ce que ça donne. Sinon, je vais essayer de le recaler. Ah non, dans le salon j'ai mis mon riband à cette place. Bref, écoutez, pour l'instant ma foi ici parce qu'avec le radiateur en plus ça risque de l'abîmer. Bon, on verra. Oui, comment ça que ça. Thank you.
donc je vous ai pas repris du tout, bah je crois depuis hier. On est dimanche là, dans la... on est dimanche, il est quasiment 18h, mais il fait beau, c'est improbable. Et on a fait une matinée à la piscine. Je suis à la chaise, du coup ça m'a flingué. Je vous ai pas filmé, mais oui, il y avait des grosses vagues à la piscine. Je vous mettrai, alors j'ai pas filmé ce matin, mais j'ai des images que j'ai tournées cet été début juillet. On est allé à la piscine et je vous ai même pas partagé parce que j'avais pas vlogué finalement. Donc je vous laisse avec les images de la piscine du mois de juillet. Comme ça, ça vous fait quand même des images de notre matinée piscine. Un petit McDo encore pour changer, j'ai de ses serres. Et je voulais aller au cinéma mais il n'y avait rien de ouf à voir, et puis avec Théa je pense que c'est pas gérable, donc on fait ça ici assise sur le canapé, par contre assise. Et donc là je m'apprête à faire des gâteaux, il est presque 18h, mais on va faire ça pour ce soir par exemple. On va cuisiner un truc, j'ai des bananes qui sont trop mûres, donc on va regarder ce qu'on peut faire. Ils vont faire un atelier cuisine, ça va les occuper. Je suis rincée, j'ai encore mon repassage qui m'attend pour ce soir. Non, arrête. Mais c'est des glaçons. Non, c'est pas des glaçons, ça c'est du sucre. Ça c'est des cailloux de sucre. Théa, arrête avec tes cailloux de sucre. Allez, vas-y, verse la cuillère. T'as encore de la marge, hein. Je connais pas du tout la recette, donc ça m'angoisse à mort. Mais c'est pas grave, si c'est raté, ce sera parce que c'est eux qui l'ont fait. Il va manger un petit bout de banane. Oui, si tu veux, je te plaise. Super, Ethan, c'est bon. Il est pas bon, la banane. Elle est pas bonne? Oui. Je vais t'en mettre une autre. Elle est crabouillée aussi. Non, je vais en avoir deux, elle est crabouillée. Mmh. Et tous les trous, on va avoir peut-être pas tout, mais on va donner à Meiko. Il y en a qui va être content. Théa, c'est pas pour. Non, mais le... non, mais là, tu fais n'importe quoi. C'est pas toi qui es censé les manger, hein. Regardez ça. Pas pour... pour Meiko. Heureusement qu'il n'y a que pour nous, hein. On va pas en donner à quelqu'un. On va en donner à qui? Bah, à personne, tu mettras grosse langue dessus. Je vais goûter à qui, vous? Regarde-moi ce qu'on a fait. Mais je vois pas la tête. Tu vois, hein? Ah, tu veux voir ta tête dans la caméra? Oui. T'es belle? Oui. C'est une choucroute? Comme maman quand elle sort de la douche, je lui ai prêté mon turban là. Parce qu'elle commence à avoir les cheveux longs. C'est du turban, non? Turban. Ça fait rien. Elle est rouge, hein? De quoi, chaton? Ça fait rien ou t'as mis de l'eau? Non, mais c'est normal, c'est juste pour que ça crame pas, mais l'eau elle va rien faire, t'inquiète pas. Oh. Allez, je sèche Théa, d'accord. Regarde ce que je lui ai mis sur la tête. Les citrouilles, on les voit pas. Non, on va les voir en démoulant. J'espère que ça aura fonctionné. Mmh. Allez, je lave. Par contre, on voit le dessous. Yep. Je lave Théa et j'arrive, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Le dimanche soir, c'est le dimanche où on prend soin de soi. On va mettre de la crème sur le corps, couper les ongles, tout ci, tout ça, laver les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a? Prout. Prout. N'importe quoi. Prout. C'est toi le prout? Je vais manger tes pieds. Ah, on va pas des petits crabes. Crabes. Ah,
t'as craché, gros cochon. Allez, cache-moi tes doudounes là, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est des nénés. Ils sont gros ou petits? Ils sont gros. Tes nénés sont gros? Pas du tout, ils sont minuscules. Chips, sandwich. Yes. Est-ce qu'on prend des trucs à boire aussi? Oui. Je sais même plus si je vous ai montré le pyjama que j'ai acheté à Carrefour. Oui, je vous ai montré, mais je sais pas si le vlog il sera sorti. Pour Ethan, comme ça, bien. Comment? 10€ avec un ours, regarde. Et Théa, j'en ai pris un aussi, évidemment, pas de jaloux. Un licorne. Bon, du coup, je me suis démaquillée, comme ça je peux me frotter les yeux, je dois laver mes cheveux aussi, moi, après la piscine. On ne fait pas la piscine, l'eau en plus de la douche, elle était glacée. Vous voyez toujours mes gants de toilette en train de sécher, là, je vais les cacher. Il va se mettre de la crème et tout aussi sur le corps, bien évidemment. On va couper tes ongles de pied. Bah oui, les mains, non, les mains, parce que les mains, je l'ai fait l'autre jour, je crois, du coup, regardez, ça pousse à une vitesse, il est bien poussé si vite. Bref, bon, écoutez... Je vous laisse, il me reste, oui c'est bon, on est bien, il me reste une demi-heure pour tout finir. Oh, oui, c'est un peu long, on va couper. Et après je me cale devant les ch'tis pour faire mon repassage.